Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Isa ou Izzy. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça fait maintenant 6 ans que j'habite à Londres et je me suis dit pourquoi pas vous faire un top 20 des endroits à voir à Londres si jamais vous préparez votre city trip ou des vacances un peu plus longues à Londres. Je me suis dit que ça pourrait vous être utile. Donc asseyez-vous, prenez-vous un petit thé, un petit café, un petit truc à grignoter parce qu'on va commencer tout de suite les 20 endroits à voir à Londres. Alors le tout premier endroit à voir, c'est la librairie Hatchards. Donc cette librairie, elle est située à quelques minutes à pied seulement de la gare de métro de Piccadilly Circus. Cette librairie, c'est une des plus vieilles de Londres et elle a été fondée en 1797. Donc vous imaginez bien que c'est vraiment un des monuments de Londres. Et ce qui est plutôt cool, si jamais vous aimez les livres, c'est qu'il n'y a pas exclusivement des livres en anglais. Donc vous trouverez normalement des livres en français également, mais pas une panoplie énorme, mais il y en a quand même. Ceci dit, c'est quand même plus cool d'aller acheter un livre en anglais à la librairie Hatchards, ça fait un chouette souvenir. Et ce qui est assez drôle également dans cette librairie, c'est que d'habitude, c'est pas trop accepté de lire directement dans la librairie, alors que chez Hatchards, c'est totalement toléré. Il y a beaucoup de gens qui se posent dans un coin et qui lisent un chapitre de leur livre préféré. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, de vous dire que vous avez été lire un livre dans Hatchards, ben allez-y, c'est totalement accepté. Le deuxième monument dont je vais vous parler, c'est nettement plus connu que la librairie de Hatchards, qui était plus niche pour le coup, c'est Piccadilly Circus. Et de nos jours, bien évidemment, on imagine Piccadilly Circus comme un endroit plein d'effervescence avec des grands panneaux lumineux partout. Mais il faut savoir que c'était pas toujours comme ça, étant donné que ben avant il n'y avait juste pas de panneaux lumineux, mais les publicités ont commencé bien avant, à savoir en 1908 avec une marque française, à savoir la marque Perrier. Donc c'était le tout premier signe publicitaire sur Piccadilly Circus en 1908. Qu'est-ce qu'on retrouve à Piccadilly Circus? Et ben, tout simplement, il y a beaucoup d'artistes de rue, beaucoup de gens qui font de la danse ou de la musique, qui chantent également. Il y a énormément de gens. C'est en fait l'embranchement entre Regent Street, qui est une des rues les plus fréquentées de Londres, et Leicester Square. Donc forcément, il y a énormément de passages et énormément de gens. Troisième endroit, et juste parce qu'on fait un peu par zone géographique, c'est encore un endroit assez connu, mais c'est Leicester Square. Attention, ça s'écrit Leicester Square, mais ça se prononce Leicester Square. Donc vous skippez la syllabe du milieu et vous dites simplement Leicester Square. Parce que si vous dites Leicester Square à quelqu'un pour trouver votre chemin, il va pas comprendre. Donc sur Leicester Square, on retrouve pas mal de trucs. On retrouve un des plus grands cinémas de l'Angleterre. On retrouve également beaucoup de statues de personnages de fiction, à savoir il y a Harry Potter, il y a Mary Poppins, il y a Mr Bean également. Donc ça, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Sur Leicester Square, c'est là également qu'on retrouve un des trucs les plus fun à faire quand vous venez à Londres, à savoir le M&M's Store ou le Lego Store. Donc pour commencer par le M&M's, il est sur 3 ou 4 étages, il est vraiment immense. Et quand vous allez à l'étage du dessous, il y a tout un mur avec des grands silos de M&M's. Donc que ce soit des M&M's cacahuètes, sans cacahuètes, chocolat noir, crispy, il y a vraiment de tous les goûts et de toutes les couleurs, pas du tout des couleurs que vous retrouvez dans le commerce. Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit sachet et vous faire votre petit mélange. Ensuite, vous passez à la caisse et vous paierez votre petit sachet au poids. C'est vraiment un magasin qui vaut la peine de voir parce qu'en plus de tous ces silos de M&M's de couleur, il y a beaucoup d'autres merch M&M's qui se retrouvent nulle part ailleurs. Et juste en face du M&M's Store, vous avez le Lego Store et là, vous pouvez également créer vous-même votre petit Lego. Vous prenez les pièces et vous les assemblez tout simplement. Et comme ça, vous avez préparé votre propre Lego. Mais encore une fois, il y a plein d'autres merch. Préparez-vous quand même à faire la file, surtout si vous venez en week-end, le samedi et le dimanche. En général, il y a une file et devant le Lego et devant le M&M's, mais elle devrait pas durer trop longtemps. Mais je vous conseille vraiment d'y aller, même s'il y a un peu de file, même s'il y a un quart d'heure, 20 minutes, c'est vraiment un des trucs à faire à Londres, surtout sur Leicester Square. Géographique, juste derrière Leicester Square, il y a Chinatown. Et à Chinatown, il y a énormément de choses à voir. D'abord, il y a l'énorme porte Chinatown, vous pouvez pas la louper, c'est vraiment au coin de Leicester Square. Et ensuite, s'enchaînent 2-3 rues de magasins uniquement chinois. Et à Chinatown, donc vers février, janvier, ça dépend quand le nouvel an tombe, il y a une très grande parade pour le nouvel an chinois qui se passe, bah, du coup, dans Chinatown. Donc si vous venez en février, même si là, je sais que je tourne cette vidéo en mai, donc ce sera pour l'année prochaine, mais si vous venez pendant le nouvel an chinois l'année prochaine ou les années à venir, sachez qu'il y a une parade à ne pas manquer à Chinatown. Juste derrière Chinatown, il y a une rue qui s'appelle Shaftesbury Avenue. Shaftesbury Avenue, c'est une rue qui est très connue pour tout ce qui est comédie musicale. Mais c'est pas pour ça que je vous introduis à Shaftesbury Avenue. Mais sur Shaftesbury Avenue, il y a un magasin qui s'appelle Efforé. Et c'est une petite enseigne de pancakes japonais. Mais attention, les pancakes japonais, c'est pas les pancakes comme on connaît américains ou les crêpes. Ce sont les pancakes qu'on appelle fluffy parce qu'ils sont épais comme ça. Et ils sont très très aérés dedans. Et chez Efforé, donc, il y a un menu qui vous explique ce que vous pouvez mettre dessus. Et en général, vous prenez
reprenez les idées qu'ils vous ont déjà données. Alors petit tip, moi quand j'avais été, j'avais eu beaucoup de mal parce qu'en fait le menu est mis sur vraiment le côté, mais comme il y a une file, personne ne voit le menu et quand vous arrivez devant, elle vous demande directement ce que vous voulez, mais vous n'avez pas encore eu le temps de regarder le menu. Donc mon conseil, ce serait d'abord de regarder en ligne ce que vous choisissez, parce que nous on s'est retrouvés devant elle, on a dit Nutella banane, on n'en sait rien, on n'en savait rien et en fait c'était le premier des choix, mais bon enfin Nutella banane c'est pas non plus très très japonais, donc je pense que ça vaudrait la peine de regarder la carte un peu mieux et de prendre un truc du coup plus typique japonais, peut-être qu'il y a des crèmes de matcha ou ce genre de truc. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de regarder tellement ça avait été vite et dès que vous vous retrouvez devant elle, elle vous pose directement la question qu'est-ce que vous voulez et vous n'avez pas le temps de regarder au menu. Maintenant, un endroit un peu plus connu, Oxford Street et Regent Street. Donc Regent Street, j'en ai parlé juste avant. Oxford Street et Regent Street, ça fait partie du top 10 des rues de shopping les plus connues au monde. Sur Oxford Street, vous allez trouver ce qu'on appelle en anglais les High Street Shops. C'est H&M, Zara, Bershka, Mango, ce genre d'enseignes qui sont un peu plus, on va dire, abordables. Et Regent Street, c'est la perpendiculaire à Oxford Street au niveau de la gare de métro de Oxford Circus. Et quand vous la descendez, ça vous emmènera directement sur Piccadilly Circus, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sur Regent Street, on trouve encore une fois quelques marques de High Street, du style Zara se retrouve là-bas également, Mango s'y retrouve aussi, H&M. Mais il y a aussi toutes les marques premium et de luxe. Donc à savoir premium, on a Maj, on a Sandro, on a Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, ce genre de marques-là. Mais on a également les marques de luxe comme Gucci, Burberry et toutes les autres. Pas sûr que Chanel soit là-dessus, je crois que Chanel est à 10 minutes à pied, plutôt dans la zone de Mayfair, qui est la zone la plus riche de Londres. Dans cette vidéo, j'essaie vraiment de grouper les choses de manière géographique. Donc une fois que vous avez traversé Regent Street, Leicester Square, vous pouvez descendre à 5 minutes de là, il y a Trafalgar Square. Apparemment, ça a été fondé en 1830 pour célébrer la victoire navale de l'Angleterre sur les flottes espagnoles et françaises. Donc voilà, c'est pour ça que ça existe, Trafalgar Square. Donc c'est en fait une énorme place où beaucoup de gens vont là pour luncher ou juste pour se poser quelques minutes. Il y a une énorme fontaine en plein milieu, je m'y arrête très rarement. Par contre, un endroit où je suis allée plusieurs fois et où j'aimerais aller encore plus, c'est The National Gallery qui est sur Trafalgar Square. Donc c'est un musée qui est gratuit. Il faut savoir qu'à Londres, la plupart des musées sont gratuits, renseignez-vous juste avant, mais en général, les grands musées, British Museum, Natural History Museum, en tout cas pour la plupart des salles, c'est gratuit. Et pour le National Gallery, ce qui est assez impressionnant, c'est que d'abord, ça va très vite au niveau de l'entrée, donc même s'il y a une file, ça devrait pas prendre trop longtemps pour que vous puissiez rentrer. C'est que quand vous entrez dans National Gallery, vous faites 5 minutes de marche dans une direction ou dans une autre et vous tombez sur une des œuvres les plus connues de l'histoire. Je pense qu'il y a une salle Monet qui est vraiment à 2 minutes à pied après que vous soyez rentré et c'est assez impressionnant parce que la salle est remplie des nymphéas. C'est vraiment assez bluffant. Donc franchement, si vous avez une demi-heure à tuer, ça vaut vraiment la peine. Vous n'allez vraiment pas le regretter. J'ai complètement perdu le compte de où on en était, mais de toute façon, sur la vidéo, je vous mettrai à chaque fois les numéros. On devrait arriver à 20 à la fin de la vidéo. Donc toujours sur Trafalgar Square, il y a un restaurant que j'apprécie particulièrement et ça s'appelle le restaurant Cinquanta Calo. Je pense que Calo ça vient du grec, mais c'est un restaurant italien et plus précisément une pizzeria. Je pense qu'il propose très peu de plats qui ne soient pas des pizzas. Le style est plutôt grec, pas vraiment italien, bizarrement. Et dès que vous entrez donc sur le côté, il y a tous les prix que cette pizzeria a gagné. C'est vraiment une pizzeria des plus réputées de Londres et on connaît beaucoup d'Italiens. Moi-même je suis à moitié italienne, mais je connais beaucoup d'Italiens, on va dire, qui ont vécu toute leur vie en Italie, qui disent que c'est le meilleur restaurant italien de Londres. Et assez étonnamment pour Londres, c'est pas un des plus chers, alors qu'il très très bien situé, donc je pense que c'est peut-être une dizaine de livres la pizza, mais franchement si vous allez ailleurs, c'est limite plus cher et la qualité sera moindre qu'à Cinquanta Calo et en plus vu sa localisation, c'est pas très cher au final. Donc, si jamais vous comptez aller à Cinquanta Calo, n'oubliez pas de réserver à l'avance, je pense qu'il vous appelle une demi-heure avant pour confirmer la réservation. Laissez tomber l'idée de juste arriver et de prendre une table, ça n'arrivera pas, il faut absolument que vous passiez par la réservation. Je vous mettrai de toute façon dans la barre de description le lien vers le site et là vous pouvez directement donc réserver votre table. Toujours dans la même zone, il y a Covent Garden. Donc Covent Garden, c'est vraiment le hub de tout ce qui est comédie musicale. C'est là qu'il y a énormément de salles de théâtre ou de comédie musicale avec une acoustique faite pour. Et si vous baladez dans Covent Garden, vous verrez des affiches partout pour les comédies musicales, vous pouvez pas les louper. À la sortie de la gare de Covent Garden, si vous descendez directement dès que vous sortez du métro, vous allez voir le marché couvert de Covent Garden, qui est un endroit phare également à faire. Il y a beaucoup de magasins assez chics, il y a des magasins de macarons, des glaces faites avec des produits fins. Il y a le Shake Shack aussi, rien à voir avec les produits fins là pour le coup, mais Shake Shack c'est un truc aussi à faire et il y en a un dans Covent Garden. Mais ouais, Covent Garden donc c'est un marché interne et également autour du marché de Covent Garden il y a énormément de gens qui font des spectacles et en général c'est des spectacles un peu plus faits pour les enfants, des spectacles de magie, des spectacles un petit peu marrants, alors que sur Leicester Square c'est très artistes de rue qui chantent ou qui dansent. Sur Covent Garden c'est plus les trucs faits pour les enfants. Toujours dans la zone et pour encore parler de nourriture asiatique, on a également la nourriture coréenne qui prend de l'ampleur à Londres massivement et il y a plusieurs magasins
magasins ou enseignes coréennes qui sont situées autour de la gare de Leicester Square, dont une en particulier qui s'appelle Bunzik. Alors vous pouvez pas la louper parce qu'il va y avoir une file monstre, surtout le week-end. Et c'est un endroit où ils font des corn dogs ou des cheese dogs, ce genre de trucs. Et il y a vraiment, je vous dis, la file, alors que c'est de la junk food, mais ça fait fureur à Londres. Il y a quelques années de ça, c'était surtout la nourriture japonaise qui était très trendy. Mais maintenant, on voit un shift vers la culture donc coréenne et la nourriture, ça va avec. Donc il y a beaucoup de gens qui y vont, mais ça en vaut grave la peine. Toujours sur la nourriture, et je vous promets, c'est la dernière fois où je vous en dis une sur la nourriture, je vous conseille d'aller à Fortnum Mason. C'est juste à côté de Hatchard. C'est une entreprise de biscuiterie fine qui a été créée, tenez-vous bien, en 1707 par William Fortnum et Hugh Mason. Donc c'est pour ça que c'est Fortnum Mason. Et quand vous entrez dans le magasin, c'est juste un paradis, on dirait un conte de fées. Il y a des biscuits partout, leurs boîtes sont splendides. Personnellement, ma boîte de biscuits, c'est une Fortnum Mason. Donc on a mangé les biscuits qu'il y avait dedans et on a gardé la boîte en fer pour mettre nos biscuits qu'on fait maison ou qu'on achète parce qu'ils sont vraiment juste d'un design absolument splendide. Ils sont également aussi connus pour leur thé. Et dans le magasin, donc quand vous entrez au rez-de-chaussée, vous avez tout ce qui est biscuits et thé. Et si vous allez au premier étage, vous pouvez également faire un afternoon tea. Je vous conseille par contre de le réserver bien 2 semaines en avance étant donné que les places partent super vite et je pense que ça coûte 78 livres sterling par personne. Donc c'est pas donné du tout. Si jamais c'est dans votre budget, c'est un des trucs à faire. Un afternoon tea à Londres chez Fortnum Mason, juste à côté de Piccadilly Circus, c'est quand même une des bonnes adresses. Un endroit ultra niche dont je voulais vous parler, et c'est un peu moins niche depuis qu'il y a le film Last Christmas qui est sorti, c'est le Phoenix Garden. C'est juste derrière la gare de Leicester Square et c'est un tout petit parc. Je crois que l'idée de ce parc, c'est vraiment de faire un effet un peu plus naturel au milieu de Londres, surtout avec tous ces beaux parcs bien entretenus. Le Phoenix Garden, on a l'impression limite qu'il n'est pas entretenu, mais c'est ce qui fait tout son charme. Je pense qu'il ferme en soirée, donc si vous voulez y aller, allez-y plutôt pendant la journée. Donc c'est un tout petit parc qui monte, qui descend, il y a une petite fontaine et vraiment toutes les herbes sont très hautes. Il y a limite des mauvaises herbes. L'idée, c'est vraiment, je pense, de faire plus brut en plein milieu d'un centre-ville. Et j'ai trouvé cet endroit un peu par hasard. C'était au tout début de ma vie à Londres, donc ça fait 6 ans. Et quand je l'ai trouvé, j'avais l'impression d'avoir trouvé un secret au milieu de Londres. Même si je vous le dis maintenant, je suis sûre que quand vous allez avoir ce sentiment également de connaître un endroit un peu plus secret, alors que c'est en plein milieu du centre-ville. Donc je vous parlais de Last Christmas il y a quelques instants. Dans le film Last Christmas avec Emilia Clarke et Henry Golding, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, Henry emmène donc la fille dans ce parc-là pour lui dire que c'est un petit peu son endroit de repos. Et effectivement, vous allez sentir que la tension là-bas se baisse et que vraiment, on n'a pas l'impression d'être en centre-ville. Donc ça vaut la peine de le faire. Un autre endroit, et ça, c'est pas extrêmement précis malheureusement, mais c'est d'aller faire une expo. Je sais que je vous ai déjà parlé du National Gallery, mais un autre truc à faire au niveau de l'art à Londres, c'est d'aller voir des expos. Et il y en a vraiment partout, surtout dans le centre. Là, je suis en train de vous donner la zone géographique du vraiment cœur de Londres. Et en général, il y a beaucoup d'expos quand vous marchez dans la rue, vous regardez un petit peu autour de vous. Et en général, vous trouverez une ou deux expos libres d'accès et encore une fois gratuites. Si jamais vous voulez vraiment faire une expo, je vous mets encore une fois ici en barre de description le site de Time Out London. Time Out London, c'est vraiment la source de beaucoup de londoniens pour ce qu'il y a à faire pendant le week-end à venir ou pendant le mois. Et en général, là, ils vous donnent tous les liens vers les expos. Ils vous disent si elles sont payantes, si elles ne le sont pas, quel est le concept de l'exposition et tout. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir Time Out London pour toutes les expos, comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe le week-end où vous venez. Maintenant, on va s'éloigner un petit peu de tout ce qui est Leicester Square et Piccadilly et aller vers le parc de St James, donc St James Park. C'est un des parcs les plus beaux de Londres, en tout cas selon moi. Ben, c'est juste en face de Buckingham Palace, donc je pense qu'ils ont envie d'avoir une belle vue bien colorée. Et c'est vraiment un parc très bien entretenu, dans le sens où il y a énormément de fleurs, surtout si vous venez au printemps. Il est entièrement fleuri, on voit vraiment qu'il y a une tonne de jardiniers sur le coup. Et c'est aussi un des parcs les plus connus pour ses petits écureuils, dont tous les touristes sont assez fans. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas nourrir les animaux dans le parc. Ça, je pense que c'est écrit un peu partout. Il y a des signes qui disent de ne pas nourrir les animaux. Je l'ai fait personnellement, je ne devrais pas le dire sur internet, mais je l'ai déjà fait. Et malheureusement, il y a une tonne d'animaux qui viennent vous encercler pour également avoir de la nourriture. Donc je pense que c'est tout à fait justifié de dire de ne pas nourrir les animaux parce que j'ai un peu flippé. St James Park n'est pas hyper grand, donc vous avez vraiment l'occasion de le traverser et de vous faire des belles photos avec toutes les fleurs qu'il y a. C'est vraiment un splendide endroit à faire absolument, et encore une fois, à 2 pas de Trafalgar Square et de tout ce coin-là que je vous ai présenté juste avant. Au bout de St James, comme je viens de dire, il y a Buckingham Palace, un endroit absolument clé à aller voir à Londres, surtout si vous aimez la royauté anglaise. Donc forcément, c'est là que loge normalement le roi, la
reine, même si bon, ils ont des milliers de cottages à la campagne, je suis pas sûre de combien de temps ils passent à Buckingham, mais c'est là normalement sur le balcon où par exemple Charles III, quand il a été couronné il y a quelques week-ends de ça, a fait son petit salut. C'est là également que quand ils se marient, les royaux vont pour saluer la foule tout simplement. Et Buckingham Palace, c'est aussi l'endroit où vous allez voir les gardes, vous savez, avec les chapeaux hauts, je sais même pas comment ça s'appelle. Je suis en Angleterre depuis 6 ans, je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais c'est aussi là qu'il y a la levée de la garde, donc si vous vous attendez un petit peu, vous allez voir, il y a une foule qui attend là, et vous allez vous demander pourquoi ils attendent au final. Ils ont déjà fait toutes les photos qu'ils voulaient, pourquoi ils attendent, et je sais pas pourquoi, mais les gens adorent voir le changement de la garde, où en fait des nouveaux gardes arrivent, et ceux qui étaient là partent. Tout simplement. Donc voilà, c'est un truc à faire apparemment. Quand vous regardez Buckingham Palace en face, sur la droite, vous allez voir Green Park. Il n'était pas dans ma liste, mais je juge bon quand même de vous en parler, étant donné que vous allez le voir de toute façon si vous allez à Buckingham Palace. Donc Green Park, il n'y a pas grand chose à faire à Green Park pour être honnête. Parfois, il y a des expositions. Il y a quelques années, ça, il y avait des énormes éléphants en bois. Je pense que c'était pour militer en faveur des animaux en voie d'extinction. Donc voilà, parfois, il y a des petites expos comme ça. Mais en général, Green Park, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste un parc avec de l'herbe et quelques arbres, mais il n'y a même pas tellement de fleurs ni rien. Donc c'est pas le plus beau parc à voir à Londres, c'est pour ça que je le mets pas dans ma liste. J'ai bientôt fini avec les parcs et il y en a encore un très 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 connu dont je voudrais vous parler et c'est Hyde Park. Donc là encore une fois, vous êtes sur la route, hein, Buckingham Palace, vous êtes à un quart d'heure à pied de Hyde Park et ça c'est le plus grand parc de Londres, c'est vraiment les poumons de la ville. Et à Hyde Park, il y a plusieurs trucs à faire. Il y a des activités pour les enfants, il y a beaucoup d'étendues d'herbe où les gens se posent, surtout en été. On va chercher un petit truc à manger dans les magasins aux environs et on fait un pique-nique au milieu là-bas. Il y a des endroits beaucoup plus reclus. Ça fait un peu penser à Central Park sur certains aspects parce que c'est tellement grand qu'il y a des fois où vous croisez personne pendant plusieurs minutes de suite alors qu'on est vraiment au centre d'une ville où il y a 9 millions d'habitants quand même. Une des activités les plus fun à faire à Hyde Park, surtout si vous venez en été parce que je pense qu'en hiver c'est fermé, c'est le pédalo sur la serpentine. La serpentine, c'est le lac qu'il y a au milieu de Hyde Park et vous pouvez donc louer un pédalo. Je pense que c'est une vingtaine de livres pour louer le pédalo pendant 30 minutes. Donc c'est pas donné, mais en même temps, c'est Londres. Donc voilà, si jamais vous voulez faire des activités, vous savez que vous avez besoin du budget malheureusement. Mais ça en vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup de cygnes autour de vous. Ils sont pas agressifs, vous inquiétez pas. N'oubliez pas que les cygnes sont symboles de royauté, donc on peut pas les toucher. Ne leur faites pas de mal. Si vous faites ça, vous insultez également la couronne anglaise et ça peut vous amener de sérieux problèmes. Donc on ne touche pas aux cygnes et normalement ils vont pas vous agresser. Un dernier truc qui se passe à Hyde Park, c'est bien évidemment Winter Wonderland. Donc là si vous venez en été, vous ne trouverez pas Winter Wonderland étant donné que c'est les festivités d'hiver. Donc environ un mois avant Noël, ils ouvrent donc ce parc avec beaucoup d'attractions, beaucoup de trucs à manger, beaucoup de trucs à boire et tout se passe donc dans Hyde Park. Avant la pandémie, l'entrée était gratuite, on peut juste arriver et enjoy les festivités. Donc pendant la pandémie en 2020, ils n'ont pas pu ouvrir cet hiver-là, mais l'année d'après ils ont réouvert et là pour le coup c'était payant et il y a beaucoup de qui se plaignaient de ça parce que bah en fait on va déjà consommer sur place et là c'est juste l'entrée dans un parc, donc ça a pas eu le succès que ça a eu les autres années. Je sais pas encore si cette année ils vont encore leur faire payant ou si c'était juste pour combler les pertes de ne pas avoir pu ouvrir en 2020. Un autre endroit c'est à Angel, donc là c'est vraiment à la limite de la zone 2, mais si jamais vous avez du temps à tuer je préfère quand même vous le donner maintenant parce que Angel c'est mon endroit préféré de Londres, mais de loin. Covent Garden vient juste après, mais Angel c'est vraiment le réel Londres parce qu'il y a très peu de touristes qui sont là. Et il y a à Angel un endroit qui s'appelle le Camden Passage, c'est un endroit qui est piétonnier, donc il n'y a pas de voiture qui y passe et vous avez des commerces sur la droite et sur la gauche dans des petites maisons typiques et l'ambiance est vraiment très différente de tout ce que vous aurez eu l'occasion de voir à Londres. Ensuite, toujours dans la zone 1 mais on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est Piccadilly, Leicester Square, on va aller un peu plus dans le nord à King's Cross. It looks like King's Cross Station. Je pense que King's Cross, ça parle à la plupart des gens qui sont pas anglais parce que c'est la gare de Harry Potter. Donc c'est la gare où il y a la fameuse plateforme 9¾ qu'on connaît tous grâce à ce film. This is platform 9¾. There's no such thing, is there? Et pour marquer le coup, ils ont créé un magasin, ça fait des années qu'il est là, si vous êtes déjà venu à Londres, je suis sûre que vous êtes passé par là. Donc il y a un magasin Harry Potter, plus ou moins placé aux trois quarts de la plateforme 9 de King's Cross, enfin en tout cas c'est l'idée. Et le magasin, c'est juste de la merch Harry Potter, vraiment vous trouvez tout ce que vous voulez, hein. Il y a les pulls, les écharpes, tout ce qui est un peu gadget, vous trouverez votre bonheur là-bas. Et le truc qui fait la particularité de ce magasin Harry Potter, parce qu'en fait il y en a partout des magasins Harry Potter à Londres, dans le centre, il y en a partout. Si vous êtes fan, vous allez y passer le week-end, mais ce qui est différent dans la gare de King's Cross, c'est qu'il y a ce fameux caddie qui rentre dans le mur et vous pouvez faire une photo. Donc il y a une file, encore une fois, hein, pour tous les endroits très connus, il y a toujours des files. Il y a toujours un membre du personnel qui vous aide, il vous met une écharpe autour du cou et vous la tient comme ça en l'air. Comme ça, vous avez l'impression un petit peu de courir pour rentrer dans le mur. C'est vraiment un truc à faire. Donc si jamais ça vous parle, franchement, allez-y, ça vaut la peine. Donc sur ma liste, je vois qu'on arrive déjà au point 20 et c'est toujours pour rester dans la zone de King's Cross. Ce que je vous conseille de faire, c'est en sortant de King's Cross Station, vous pouvez monter vers les canaux qui vous emmèneront à Camden. Donc c'est une balade à faire.
Donc Cap Dan ne fait pas partie de cette vidéo, mais si vous voulez, je pourrais vous faire un point 2. Mais en tout cas, ici, on va se concentrer sur la balade. Donc de King's Cross, vous pouvez joindre les canaux de Londres et vous faire une balade pour remonter vers Camden. Ça dure approximativement une demi-heure. Donc voilà, juste faire la balade King's Cross Camden, ça en vaut vraiment la peine. Vous allez voir beaucoup de mini bateaux avec 5-6 personnes dessus. Il y a beaucoup de trucs organisés sur ces canaux. Et vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui feront de toute façon la même balade que vous, parce que c'est vraiment un des trucs à faire à Londres. Donc voilà, ça c'était mon dernier point. Et bien voilà, je pense qu'on a fait les 20 endroits à voir absolument à Londres. Donc bien sûr, c'est ma sélection. Quelqu'un d'autre en aura certainement une autre. Et il y a encore 1000 autres endroits à voir dont je pourrais vous parler. Mais je pense que cette vidéo dure déjà assez longtemps. Donc si jamais vous voulez une deuxième vidéo, j'ai encore des tas d'endroits, soit connus, soit moins connus à vous dire. Par exemple, on n'a pas parlé de Camden, on n'a pas parlé de Notting Hill, on n'a pas parlé de Chelsea. Donc si jamais vous voulez un épisode 2, dites-le moi en commentaire et je vous ferai cette vidéo avec plaisir. Et je clôture cette vidéo ici avant qu'elle dure 30 minutes. Et on se revoit très vite dans la prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Oh.